Monsieur Alberto Barbera. Bonsoir. Bon, oui, je suis vraiment très ému de recevoir cette raison. Plusieurs raisons. Personnelles. La première, c'est que, évidemment, c'est une très belle manière de conclure, de terminer les fêtes pour la 75e édition. Et oui, donc nous avons décidé, effectivement, ce soir, de remettre une mention spéciale à un jeune festival. Je ne vous en dis pas plus. Parce que nous avons quelques images, mon cher Patrick, à montrer. Absolument. Une petite bande-annonce sympathique pour présenter. Simplement, mettez votre doudoune et on regarde les images. Exactement. Parce que c'est une richesse qu'il faut absolument partager. 10 ans après, j'ai un peu le sentiment que le pari est rempli. Joyeux anniversaire au Festival des Arcs. Happy anniversary, Le Sac Film Festival. Joyeux anniversaire, mon cher Festival des Arcs. Joyeux anniversaire. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Joyeux anniversaire, le Festival. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, le Festival. Et merci d'accueillir Pierre Lemaitre. Merci Guillaume. Pierre-Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Bah, tout d'abord, voilà, merci beaucoup. Merci Vincent, merci le comité, merci. Le prix Henri Langlois. D'habitude, on donne des prix, c'est la première fois qu'on nous donne un prix. Donc, voilà, un vrai honneur, un honneur parce que. Alors, nous, on n'a pas connu ce. Enfin, moi, je ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas connu ce lieu à la grande époque. Et malheureusement, pas connu Henri Langlois. Mais c'est. Voilà, c'est un nom qui symbolise quelque chose quand on est. Voilà, quand on est cinéphile. Je pense que c'est un nom qui symbolise. Quelque part, la cinéphilie aussi. Et donc, c'est un honneur de recevoir ce prix. Voilà, donc c'est notre 10e année. On passe après la Mostra, qui est un peu la grand-mère de tous les festivals et qui est un énorme festival. C'est vrai que c'est très touchant hein, de recevoir un prix comme ça. Voilà, c'est chouette aussi de récompenser ce qu'on fait parce qu'on essaie d'être aussi originaux et ouverts. Vers d'autres disciplines, vers la musique, etc., la VR. Et puis je voulais aussi associer ce prix à toute notre équipe, parce qu'on n'est que les représentants. Dans des prix Langlois de récompenser des institutions et des festivals, je vais être très rapide, mais c'est important de le souligner, si on a choisi ce festival aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un festival européen, et en ce moment, on a vraiment, vraiment besoin de ça, d'avoir cette ouverture d'esprit sur le cinéma, il y a des films magnifiques. Je ne connais ce festival que depuis 2 ans, mais évidemment, on y est bien accueillis, mais c'est surtout les cinéastes qui sont accueillis. Et c'est vraiment hyper important aujourd'hui d'avoir cette programmation ouverte sur le monde avec des films de grande qualité, et c'est pour ça qu'on vous a choisi. Voilà. Merci. Merci. Pardon, je m'associe juste bien du sûr. Coup à Vincent, si je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir rencontrer mon grand-oncle pour un malheureux léger contretemps chronologique. C'est vraiment pour moi un grand honneur de me faire Vincent ambassadrice de ce nom et d'une partie de cette histoire pour remettre ce prix pour ce festival triplement grand et par la qualité de sa programmation, sa diversité et par son altitude, ce qui est rare. Vous vendez la neige d'ailleurs aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est très bien fait.